Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est à Vercelli en Italie. Donc désolé pour le vent, hein, j'y peux pas grand chose, je suis pas monsieur météo. Donc voilà, nouveau vlog, j'espère que vous avez aimé l'intro. Donc on va essayer de filmer ça. Donc c'est le premier concours de l'année. Donc on est en Italie, comme j'ai déjà dit, à Vercelli. C'est une étape de Coupe du Monde et de Coupe d'Europe. Ça va être pas trop mal. Samedi, donc là c'est 8h, je suis vraiment caillé, j'ai pas beaucoup dormi, je pense que vous m'avez jamais entendu avec cette voix en plus, parce que là pour le coup, c'est pas facile, donc là je m'éclaire avec mon téléphone parce que il fait bien noir dans la tente, bon je vais me réveiller tranquille et puis on continue. Ouais, bon, petite transition sympa. Alors, donc il est plus tard. J'ai même pas mon téléphone sur moi. Bref, je voulais savoir l'heure exacte. C'est pas grave. Alors là, bon, on est donc dans le matin. Le concours commence seulement dans l'après-midi, vers 13h. Et là, bah, c'est simple, hein, tout le monde arrive. Tous ceux qui n'étaient pas là hier arrivent maintenant. Et puis ceux qui étaient à l'hôtel arrivent maintenant aussi. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour autour. Contest a commencé, donc voilà tout le camp français, je viens de vous montrer donc les participants. Là il y a Quentin qui passe, donc le dernier français, sinon on sera tous passés. Là visiblement vu comme il est parti, je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir, ouais, on les voit à peine les planeurs, parce qu'ils sont bien satellites quand même, hein. Je sais pas si on les voit sur la vidéo, mais il y a un nuage de planeurs en quelque sorte. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment satellites. Là ou là. Donc voilà, la première tâche c'était un dernier vol. Donc l'objectif c'est de faire 5 minutes sur un temps de 7 minutes. Et tous les Français l'ont fait. Moi je sais pas trop les autres, mais voilà, les Français tournent bien pour l'instant.
Bon, premier jour fini, enfin premier après-midi, parce que ça a commencé à 13h, donc là on va aller voir un peu les dégâts, entre guillemets, voir comment ça score, tout ça. Parce que pour l'instant j'ai pas une grosse idée, je pense pas avoir trop mal tourné, mais je sais pas. Alors, ouais, on va. Donc on est 55 pilotes. 9. Ah oui, d'accord. Oui, parce que là, il n'y a que les 4. Il n'y a pas les 5 de sortie encore. Donc, on va voir une fois qu'ils auront corrigé. Parce que là, c'est ce que le gars vient de me dire, en gros. Donc, on attend. Bon, jour 2, il est midi. On a déjà fait tout le matin. Et... bon, ça a été du tout de chute mini pour les 3 premières manches. Là, ça y est, il commence à y avoir des thermiques. 3 minutes window. Pour l'instant, le premier, c'est lui, Christophe Ogi. Avec Cédric qui est pas trop mal placé aussi. Donc voilà quoi, c'est vraiment du grand art. Ça se joue pas vraiment à grand chose parce que voilà, ça se joue beaucoup rattraper l'ancien. Donc il y a des petits écarts de points sur au moins les 10 premières places. Au final, ça va se jouer à pas grand chose. On verra un peu plus tard. Je vais essayer de tourner 2-3 trucs un peu sympas. Mais j'essaie de rester concentré quand même. And in first position, Oggi Christophe. Bon, alors voilà, c'est fini. Là, il va y avoir les hymnes de ceux qui ont gagné, etc. Donc voilà, une petite cinquième place. Bon, ça s'est joué à 5 points quand même du premier. Donc voilà, je suis cinquième, je suis content de ma place. Pas mal pour la reprise. Et surtout, bah voilà, petite annonce, j'ai volé uniquement en snipe 1 parce que je vole plus pour un sort. Donc voilà, vous verrez la review de ce planeur très bientôt. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé ce vlog. À la prochaine, ciao.